Ancien international gabonais, ceinture noire depuis 34 ans et pratiquant du karaté depuis déjà 40 ans, Misiri Mengwa a obtenu sa sixième dan après un stage international à Yaoundé. Un grade qui témoigne de l'expertise, la maîtrise du style et les qualifications requises pour enseigner. Sixième dan, c'est une façon, c'est de monter un grade supérieur et être élevé à une certaine dimension. Parce que la face cachée du karaté est le côté spirituel. Plus on avance, plus on commence à comprendre ce que c'est le karaté. Nous voulons unir à nouveau tous les karatékas. Décerné par le président de la Fédération mondiale de la Shotokan Karaté, Pierre Fulbert Mouillé, résident aux États-Unis. Le président de la GAM, membre de la Shotokan World Karaté Fédération, a donc été mandaté pour procéder à la remise officielle du diplôme au récipiendaire. À l'issue de ce stage, Maître Mengwa Cyril a été promu au grade de 6e dan et il m'a donné la mission de remettre officiellement à Maître Cyril Mengwa ce diplôme en ma qualité de président de l'Association gabonaise des arts martiaux, membre de cette fédération internationale. Nous bénéficions chaque jour depuis des années des enseignements de Maître Cyril Mengwa et le fait qu'il soit promu à ce grade permet de confirmer que nous sommes dans la bonne direction avec lui. Maître Agaya Emmanuel de la Shotokan World Karaté Libre du Gabon, Maître Awar Stéphane ont eux aussi été promus au grade de 6e dan. Détenteur de plus de 20 ceintures noires, Misiri Mengwa repart satisfait et honoré, car dit-il, plus on avance, plus on redécouvre cet art martial qui est le karaté, mais encore, on renforce sa passion.